Là. Fail. Oula, j'ai bugué. Vas-y. Oh. Tu penses que tu l'as ? Verdict ? Ouais, je crois. Petit push draw qui reste à droite. Voilà. Oh. Bienvenue à tous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui au Kampfhof pour un événement, pour une petite vidéo particulière. Pour un sujet qu'on nous demande souvent, comment faire du draw, comment faire du fade. On a l'expert avec nous qui va nous faire un... fade ? Avec Laurent Cavane évidemment. Et on est en indoor. Pourquoi Tom ? Parce qu'il caille sa race. Il caille de fou dehors. Et aussi ça permettra de bien voir donc, les différentes données. Donc on va vous mettre tout ça en bas, en plus de la courbe. Ça va être une vidéo très technique quand même. Ouais, on va essayer de simplifier et après on va pousser un peu plus pour peut-être les meilleurs joueurs ou ceux qui sont un peu plus curieux. Donc, première partie, on va expliquer ce que c'est un draw, est-ce que c'est un fade. Ouais, parce que ça par exemple, draw, fade, slice, hooks. On sait pas. Ouais, ça c'est du slice machin. Fade, on va dire c'est un effet contrôlé et slice non contrôlé. Genre celui-là qui finit loin à droite, bon on va dire c'est un slice. Ou alors, essaye de faire une bonne là. Là, j'essaie de faire un bon, tu vois. Ok. Tac, sur la ligne. Donc, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'il y a une ligne, c'est ta ligne de jeu. En fait, on va beaucoup revenir sur ça parce que c'est quand on va sortir à droite, quand on va sortir à gauche, tout ça va être expliqué. Les différentes données qu'on les explique, carry, c'est le vol de balle. Là, t'as volé la balle à 143 mètres. Le chemin de club. C'est le chemin du club à travers l'impact. Tu peux nous expliquer un peu mieux ? À travers l'impact, en fait, c'est le chemin du club. Soit ah, à l'envers, c'est mieux. Soit il bouge extérieur, intérieur. Okay. Imagine, là, t'as zéro. Tu vois ? Là, t'es voilà, zéro. Parfait. Bien. Nouvelle assistant. Bien assistant. Donc, extérieur, intérieur, c'est moins sur le trackman. Ok. Ok. Square, donc, dans le club, on va dire, c'est zéro. Ok. Et ça, c'est plus, mais il n'y a pas de plus. Ok, c'est juste positif, quoi. Enfin, positif. Ça reste positif. Donc, vers la droite. Pareil avec l'angle de la face. Donc là, c'est pareil, mais juste à gauche, avec la face. Fermé, à droite, ouvert. Remontre-le bien juste au sol là, par rapport à là. À gauche, ça, c'est fermé. Voilà. Ça, c'est ouvert. Ok. Donc, moins et plus. Ça, c'est le ratio entre le chemin de club et la face. L'écart entre la face et le chemin. Donc quand c'est plus, c'est que la face est ouverte au chemin. Donc là, je te reprends le club. Ok, donc ça, c'était le chemin qui était vers la gauche. Ok. Moins 4. Et donc quand la face, elle est ouverte au chemin. Okay. Voilà, le rapport entre les deux. Le spin, ça on va un peu en parler, parce que ça peut-être plus loin dans la vidéo, mais on dit qu'un fade va moins loin ou fait plus de spin qu'un draw. Ce qui en fait, un fade, il va souvent moins loin que le draw, parce qu'il y a plus de spin pour le fade. Ça, on va s'en servir pas mal après. Mais on va voir que c'est pas forcément le cas. On c'est peut pas forcément le cas. Aussi loin en fade qu'en draw. Vrai présentateur TV, le monsieur ça, là-bas, regardez. Bien, ça va. Et là. Et la curve. La curve, c'est ça en fait. Petit c'est simplement ça. De curve. Voilà, ça, c'est la seule chose que Luc savait. Voilà, exactement. Parce qu'il parle anglais. Donc, Et fais-nous un draw. Là, c'était un fade. Voilà. Parfait. Et fais-nous un draw parfait. Un draw parfait. Sans cut. Elle va tourner un peu trop à gauche. Mais elle sort à droite et du coup elle tourne un petit peu trop à gauche. Enfin, donc un peu là, trop. Pour expliquer. Ils ont dit, il est monstrueux. Ouais. Il y a les deux messieurs là-bas. Donc Jean et Victor. Que évidemment vous connaissez, c'était, hey, on en reparle Tom, mais c'était les premiers avec qui on a joué ici au Kampfhof. Ouais, c'est ça. Et c'est eux qui donc gros big up à vous. C'est eux qui m'ont supplié de faire la vidéo avec vous. Ouais, c'est vrai. Donc faut les remercier en fait. S'ils sont pas là, je ne fais jamais la vidéo. Ouais, pour leur faire plaisir, il y a deux Instagram qui se glissent là juste ici pour aller les suivre. Regardez-les avec leur beau polo Kampfhof. Il était fan de Johnny Hallyday. Ok, maintenant que vous avez à peu près toutes les données expliquées, qu'est-ce qu'on fait ? Explique-nous, c'est quoi un draw ? Qu'est-ce que le club doit faire pour faire un draw ? Explique-nous le golf. Non mais en vrai, on va commencer par comment on fait une balle droite ? Un chemin club et une face à zéro. Ouais, non mais t'inquiète, on va l'expliquer en gros. Ok. En fait, parce que souvent ça veut tout simplement dire... Ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà. Allez. Non mais c'est pas ça, mais... Il a raison, il faut m'organiser un petit peu. Ouais. Parce que sinon on fait des vidéos de 45 minutes. Dans tous les sens, quand même partir 45 minutes. Ouais, dans le draw, faut que je revienne là ou quoi. Déjà, il faut pas oublier de penser à ce que doit faire le club au moment de l'impact. C'est ça le plus important. Parce que tu peux faire un par-dessus, un truc un peu comme ça là, et faire quand même ton draw pas mal, regarde. Oh, elle est parfaite celle-là. Je sais déjà quand je vais faire des zooms sur sa gueule, tu vois. Là, quand il s'est retourné, je sais exactement le zoom que je vais faire. Tu peux rester en arrière. Et faire un fade, tu vois. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est pas le swing qui va nous guider. Enfin, le swing dans son ensemble, on dit tout de suite, ça c'est un swing de fade, un swing de draw. Pas forcément quand même, c'est vraiment ce que fait le club à l'impact. Pour faire un draw, il faut avoir la face fermée au chemin. Donc avoir le face to pass négatif. Voilà, il faut avoir face to pass négatif. En gros, si on veut que l'effet,
on parle que de l'effet, il faut face to pass négatif. Donc si ça c'est négatif et qu'elle est prise à peu près au milieu. Oui, parce que c'est aussi très important. Il y a aussi quelque chose. Ouais. Ça c'est la deuxième partie. Donc quand ça c'est fermé, ça fait du draw. Et quand la face est ouverte au chemin, ça fait le fade. Ok. Donc ça déjà c'est que l'effet. Ok. Ok. Maintenant, quand on fait un draw, évidemment on veut qu'elle parte à droite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une face à droite à l'impact. Toujours par rapport à la ligne de jeu. À la ligne de jeu. Okay. Donc pour faire un draw, on veut qu'elle parte à droite. Donc ça veut dire qu'on doit avoir la face à droite à l'impact. Et le chemin encore plus à droite, vu qu'on veut que la face soit fermée. Fermée au chemin. Là on pourra insérer des petits trucs. On. Ah ouais, parce que c'est moi qui monte de temps en temps. Ah ouais, voilà, ouais. Vas-y Luc, essaye de faire un draw. Luc, il est lent. J'essaye de faire. Mais qu'est-ce qui. Putain. Là, si on parle que de l'effet, un draw, la balle qui tourne droite-gauche, c'est parfait, ça tourne à gauche. Et là pour l'instant, c'est vraiment la face par rapport au chemin. Okay. Tout le monde on a compliqué les trucs, le chemin, etc. Mais là, déjà, on se dit face par rapport au chemin fermé, ok. Elle va tourner à gauche. Et après, on se dira face à droite, okay. Pour la sortir à droite. Fais un fade. Je le rappelle, mais à chaque fois, hein, mais la dernière fois qu'il a essayé de faire un fade, il a failli tuer Remezi. Ouais. Tu as pas vu cet extrait. Fade, on voit qu'elle sort à gauche. Ah, ils s'en foutent. Ça peut être pas mal ça. Ah, elle est très oh, elle est belle. Face ouverte au chemin, hop, ça fait du fade. Mais là, c'est facile avec Trackman. Mais sans Trackman, comment tu fais? Bah, justement, bon, au practice, tu vois la balle voler. Ouais. Ok. Tu vois que la balle, elle part à gauche. Enfin, tu vois que la balle, elle fait un fade. Tu sais que t'as la face ouverte au chemin. Ok. Tu vois que la balle fait un draw. Tu sais que t'as la face fermée au chemin. Oui, pour faire un fade, on veut qu'elle parte à gauche. Donc, il faut que la face soit à gauche à l'impact. Voilà, moins 5 de face. Là, c'est ça. Voilà, c'est exactement. Ça. Attends, juste pour que les gens puissent réaliser en fait. Ça c'est moins 5 je pense, non? Moins 6. Voilà, ça c'est moins 5, ça c'est plus 5, tu vois. Et ça c'est plus 5. Voilà. Après en moins grandeur 5. C'est beaucoup plus petit que ça. Hein. Ouais, là t'étais peut-être à moins 15. À plus 20 et moins 20 quoi. Ouais. Ok, oui, ok. Oui. C'est dans une pendule, 6 degrés c'est une minute. Okay. Donc c'est très 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 petit. Donc il se passe beaucoup de choses ouais, et ouais. C'est pour ça que le sport est un vrai sport de con. Ouais, grave. Non, mais 6 degrés, une minute. Une minute. Là, dans la pendule, tu fais une minute, t'as déjà fait 6 degrés. Hop. Donc ça c'est midi. Voilà. Attends. Là tu vois, l'aiguille c'est l'arête. Okay. L'aiguille c'est midi là. Voilà, tu fais une minute et déjà à 6 degrés. Ça c'est 6 degrés ça. Voilà. Okay. C'est que dalle. Hein. T'imagines? Parce que là, quand on montre ça et tout, ça existe pas, tu vois. T'imagines à 80 miles, comment tu le contrôles ça? Et deuxième partie, pour faire le draw parfait, il faut la bonne quantité de face fermée par rapport au chemin, etc. C'est tout ça qu'il faut gérer. Un draw en gros qui part 10 mètres à droite de la cible et qui revient à la cible, ça veut dire qu'on veut la face 10 mètres à droite de la cible et le chemin 20 mètres à droite. Je simplifie parce que c'est pas pareil avec tous les clubs, mais faut pas partir trop compliqué honnêtement. Et sur un club plus fermé, ça tourne beaucoup plus. Beaucoup plus. Sur un club plus ouvert, ça tourne moins. Avec le fer 7, c'est le double. Si la face est à 7 degrés à l'impact, si la face est à 5 degrés à l'impact, il faut que le chemin il soit à 10 degrés pour que la balle revienne et le drapeau. Et là, regarde, c'est plus grand, le chemin il est à 16. Donc ça a trop tourné. Plus, tu vois le truc? Alors les degrés, tout ça, il faut vraiment, vraiment pas trop se prendre la tête avec ça. C'est juste pour avoir une notion. Okay, pour comprendre. Voilà, si tu t'alignes 10 mètres à droite du drapeau, la face du club, on veut que ton chemin il soit 20 mètres à droite. Okay. C'est ça après qui va nous définir toutes les solutions. Soit on s'aligne à droite, soit on fait par le swing. Et ben juste. Prochaine étape. Justement, maintenant on a compris ce que c'était un draw, comment c'était un fade. Vas-y. On recoupe encore. Le contact, ultra important. Parce qu'un talon fait du fade, une pointe fait du draw. Mais avec les fers, en toute honnêteté, ça fait pas grand chose. Par contre, avec le drive, on peut faire un swing de draw, c'est-à-dire face fermée au chemin et tout. Et faire un fade si elle est prise dans le talon. Ok, mais ça, priorité, peut-être à la limite, on verra ça une autre fois. Voilà, mais priorité, c'est le contact. On en fera une autre, au pire, sur le drive. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, on en fera une autre. Mais très rapidement, ceux qui n'ont pas de Trackman et qui veulent voir à chaque fois leur impact, vous prenez un feutre, vous marquez votre balle ou un spray pour les chaussures, quelque chose comme ça. Pour vraiment voir. Là, ce qui est en fait important de comprendre, c'est que même au practice sans Trackman truc, vous voyez votre balle voler, vous savez ce que vous avez fait à l'impact. C'est ça, si tu prends un fer 7, tu vois que ta balle elle part à droite et elle tourne trop, elle part au bon endroit, elle tourne trop, ça veut dire qu'il y a trop d'écart entre la face et le chemin, c'est et que donc ton chemin est trop à droite. Quoi. Honnêtement, sans Trackman, tu le sais. Hein. Et donc maintenant, c'est tout le monde qui fait du slice ou du fade et les mecs veulent faire du draw. Comment tu fais? Quels sont tes drills? Quels sont tes exercices? Donc là, il y a plusieurs solutions. Il y a soit par la posture, c'est le plus simple. On sait qu'il faut le chemin à droite. Donc on va s'aligner norme à droite, c'est ce qu'on a vu dans plein d'autres vidéos et tout.
Donc on s'aligne à droite pour mettre le chemin à droite. Attention, quand tu t'alignes à droite comme ça avec les pieds, il faut mettre les genoux, les hanches à droite et les épaules à droite. Pour avoir tout le... Pour avoir tout qui part à droite. Parce que souvent, ce que font les gens, ils mettent les pieds à droite. Mais vu qu'ils se sentent pas à l'aise, ils se remettent comme ça. Et là, c'est la cata, c'est pire. Tu fais toi un peu sur le parcours. Mm-hmm. Luc, tu vois. Donc ça, c'est... c'était gratuit. Non mais c'est vrai. Non mais si ça voilà. C'est vrai. Sauf que là, tu vois, quand tu mets les pieds à droite, les hanches à droite, les épaules à droite, ça veut dire qu'il faut décaler la balle à droite énorme. Ça c'est hyper important. Parce que si tu décales pas la balle à droite, quand tu fais ça, ton club il vient là direct, il vient vraiment loin à droite ici. Okay. Et si tu restes là, tu vas pas arriver, tu vas toujours avoir les épaules un peu à droite. Donc faut pas hésiter à aller à mettre la balle beaucoup à droite. Ok. Alors on va pas tout faire dans l'autre sens pour le fade, c'est la même chose, juste dans l'autre sens quoi. Et vu qu'il y a la majorité qui rêve de faire des draws, ouais, voilà. Mais sinon au pire c'est l'inverse pour le fade. Ouais. Donc on la décale énorme à droite, ça y est à droite, et ensuite on swing comme si on voulait l'envoyer à droite. Là je fais exagérer volontairement. Petite parenthèse pour comprendre, donc le chemin à 20, donc ça c'est un exagéré, il aurait fallu que la face soit à 10, donc la moitié toujours pareil pour qu'elle revienne. Vu qu'elle est pas assez... fermé par rapport au chemin, elle revient pas, mais on a un autre effet quand même. Moi j'ai juste une question, Laurent. Alors ça c'est beau parce que toi tu maîtrises ton chemin, ouais, le faire venir. Mais un mec, comment tu ouais. qui swing comme ça, comme nous. Bah, toi, vas-y. Enfin, comme nous au début quoi. Ouais, moi c'était comme ça. Maintenant. Ça c'est gratuit aussi, tu vois. Bam. Tiens dans ta gueule. Donc tu t'alignes à droite, les pieds, genoux, hanches, épaules. Tu vois le club comment il s'est décalé, ouais, il a même pas fait exprès, voilà, tu vois. Hop, ouais. Donc le club il s'est décalé, évidemment il faut se décaler les pieds et tout, je sais pas si t'es trop près ou trop loin. La face un peu fermée à ça, au stance, tout ça, ok, ouais. Pour la face fermée au chemin. Tu vois, donc Luc, remets-toi derrière ou devant, tu vois, voilà, parfait. Donc on a les pieds, genoux, hanches, épaules, tout dans le même sens. Faut toujours insister un peu sur les épaules, on a tout le temps envie d'ouvrir. Ok, donc là voilà, un peu trop mais ça va. Et la face, faut pas la laisser pareil sinon ça va faire push tout droit. Et la face on la ferme un peu comme ça. Voilà, lâche un peu pour que tu reprennes ton grip bien, vas-y. Et là, Luc, je te conseille de sortir par là, contre. Ça, ouais. Voilà. Et là, il faut swinguer comme si tu voulais swinguer vers la barre à droite. Attends. Parce que si on est derrière un arbre ou un truc comme ça. Voilà. Ouais, mais t'as l'effet, tu vois, alors que toi, normalement, t'es pas super à l'aise en gros. Ouais. Donc là, il aurait fallu que la face soit à combien pour que. Il vit à 7. Soit au drapeau. À 7,5 du coup. Voilà, parfait. Question. Même Luc, il a compris. Mais. Ouais, je vais lui péter les dents avant la fin de la vidéo. Et vous avez pas vu avant. Je l'ai fait chier depuis un quart d'heure. Celui-là, c'est le plus facile. Hein, ouais. Pour le draw. Ouais. C'est le moins conventionnel. Enfin, c'est pas beau à voir sur le parcours parce que le mec, il est aligné à droite et tout. Mais celui-là, c'est limite le plus facile. Hein. Au tout début, ce que je fais, c'est ça. Hein. Ça, c'est le draw par le placement, en gros. Ouh là, il y a du pro qui arrive, là. Ah, il y a du monde, là. Il y a du beau monde. C'est froid dehors, hein. Hop ça, gros. Ça va. Moi, je te prends la place. Après, comme dit Tom, si tu fais ça, mais que tu reviens, tu vois. Mais en gros, c'est d'arriver à faire, même malgré son par-dessus, en fait. Même si tu fais un par-dessus énorme, que tu te mets comme ça, là, avec la balle pied droit et tout, si d'habitude, t'as l'impression de faire du gros slice, même un gros... Un gros par-dessus, je l'ai raté. Tu vois, mais en gros, dans l'idée, c'est vraiment. Bah même. Tu fais un gros par-dessus, tu fais quand même ton gros. Tu vois. Mais alors, c'est le slicer qui est derrière un arbre et qui a envie quand même de se faire plaisir une fois, de faire du draw et tout ça. Mais celui-là, c'est pas celui qui va aider pour changer le swing, quoi, pour avoir un swing un peu propre. Ok. Voilà, c'est un peu ça en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Sauf que j'ai beaucoup parlé, peut-être, c'est ça. C'est dur de faire. Ça, c'est pour exagérer de fou, pour sentir. Ça, c'est pour vraiment sentir la face et le chemin. Ça, c'est vraiment exagéré. Practice. On s'en fout du swing. Ouais, voilà, practice. Pour comprendre comment ça se passe. Il faut le sentir que, même si c'est exagéré et tout, il faut sentir vraiment que la face, elle se ferme au chemin. Voilà, ok, ouais. On fait des énormes gros. Tant que tu sais pas faire ça, ça sert à rien. Dans ton slice, quoi. Ouais, voilà. Déjà, tu resteras dans ton slice et. Au début, en fait, c'est quand on fait un draw, il faut qu'elle fasse un draw. Si tu veux, dès le début, même si tu tapes droit, on va dire des petits fades ou comme ça, si tu cherches le mini draw parfait, tu vas faire un coup un draw, un coup un fade, machin. Moi, je préfère partir d'un énorme draw comme ça, ou après, on va faire un truc un peu plus conventionnel, un peu par le swing, pour venir sur un draw un peu moins grand. Oh, 10-5, plein milieu. Ah mais là, du coup, pourquoi c'est pas plein milieu? Mais là, après, il y a quand même d'autres paramètres. Là, j'ai fait la moitié, mais là, elle est combien à droite? Elle a 2 mètres. Ouais. C'est gentil. Tu vois, il y a d'autres paramètres, c'est plus il est fermé, plus elle tourne, plus il est ouvert, moins elle tourne. Okay. Donc j'ai dû la ramener plus ouverte que peut-être que le faire 7. Fade, balle pied gauche, pied à gauche, hanche à gauche, épaule à gauche, la face un peu ouverte à tous, aux hanches et tout ça. Et après tu swings dans le sens des pieds. Ah, ça c'est un fade, pardon. Voilà. Ok, on le savait quelque part, tu vois. Ouais. Mais il faut pas oublier d'avoir...
les épaules ou les hanches, et pas oublier l'emplacement de la balle, c'est le plus important. Ok. C'est ça qu'on sait. Même nous, honnêtement, même vous, tu vois, sur le parcours un peu à un moment donné, même si vous le savez, vous avez l'habitude d'être avec moi, etc., tu vas oublier les épaules, tu vas oublier la balle un peu à droite. Donc maintenant, on peut être aligné à gauche, machin, tout dans l'autre sens, enfin, ou rester aligné tout droit, les épaules droites, etc., et faire quand même un draw. Et là, ouais. C'est là où Tom, il disait, ouais, mais en fait, tout le monde a plus envie de faire ce draw-là, limite un draw naturel. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on... Vraiment, vas-y. Et c'est très difficile de se poser cette question. En un drill, tu vois. Mais ouais. Quelqu'un qui a fait du slice ou du fade pendant 5 ans, bah, comment il bosse pour faire... Alors lui, il est déjà un peu obligé quand même de décaler un tout petit peu la balle à droite, même si on part pas sur l'autre truc. On décale balle à droite, épaule un peu à droite. Là, on fait pas les pieds et tout, on fait exactement ce qu'on a fait avec Luc sur le parcours. C'est les pieds square, balle un petit peu à droite, hanche épaule un tout petit peu à droite. Le grip à peine plus fort, comme ça c'est fort, et ça c'est faible. Donc ça c'est grip faible, grip fort, voilà. Balle pied droit, grip un peu plus fort, ok. Et là, on va vraiment essayer, ok, on va monter intérieur et revenir encore de l'intérieur. Et là, on va mettre... un truc comme ça, il vaut mieux prendre un truc assez haut, pas juste un club, tu vois, au moins tu peux taper dedans. Donc tu fais ça, tu la mets assez proche du truc. Donc les gens peuvent prendre quoi, si on leur sac? Ouais, le sac tu peux, ouais. C'est pas mal ton sac là, comme ça. Ouais, le sac c'est pas mal. En gros, tu mets le sac comme ça, ok. Faites gaffe à pas dépasser avec la tête de club ici. Bah là ça vaut 400 balles, donc tu peux pas le faire. Tu vois, donc tu mets le sac dans l'axe à peu près, tiens, mets-toi en face pour qu'il voit là. Pour vraiment vouloir revenir dans l'intérieur. Donc on a mis la balle un peu pied droit, on met les épaules un peu à droite quand même, ok, pas les pieds à droite, on monte à l'intérieur, mais surtout on revient le plus possible de l'intérieur. Okay. Et on sort à droite. Le côté, on sort à droite, on ferme la face, on peut rajouter si vraiment c'est gros slicer. Donc là, et là on a vraiment, on essaie de faire, de pas toucher le sac quoi. Faut vraiment que ce soit plus exagéré, mais ça là, elle a pas tourné énorme. Ah mais il y a, donc là, par exemple, y a le sac devant. Ah oui, il y a le sac, ouais. Ah, ouais. Même la balle, il l'a prise. Là par exemple, on n'a pas les données du club. Tout à l'heure, on disait, ouais, mais les gens souvent ils disent, ouais, mais sans Trackman, comment je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, en fait, on doit se dire, elle est partie au bon endroit. Donc la face, elle était au bon endroit, elle était dans les 5 degrés. Elle était positive, ouais. Voilà. Mais le chemin, lui, pour que la balle ne tourne pas assez, il n'était pas assez à droite. Okay, donc c'est vrai. Si on dit que la face était à 5 degrés, bah, le chemin, il devait être à 5 degrés aussi. Bah, si ça part droit à droite, c'est droit. Droit à droite, ça veut dire que la face et le chemin, ils sont pareils. Ils sont pareils. Et donc ça, ok. Ça veut dire que si vous, ça vous arrive, bah le sac, si vous ne l'avez pas touché et que ça arrive, c'est qu'il est encore trop loin, quoi. Et du coup, tu te rapproches un peu, et comme ça, on va mettre le chemin beaucoup plus à droite. Voilà, donc ça, c'est vraiment s'entraîner, pareil. Alors, à exagérer, à chaque fois, de toute façon, si on veut revenir un peu de l'intérieur, il faut vouloir faire un truc monstrueux pour que ça change de quelques degrés. Donc, on peut aller dans l'exagération. De toute façon, t'es bien dans l'exagération, de toute façon, Laurent. Ouais. Il aime bien l'exagération. Ouais, ouais. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Écoute, pas avec toi, mais si, avec la plupart, avec Tom, ça marche. Là, je le filme pas parce que j'ai envie de lui casser les dents. Hein. Okay. Pareil, on va le laisser à Tom, celui-là, parce que toi, t'as plus de facilité à faire le draw. Ouais. Okay. Donc, vas-y, c'est parti. Vas-y, fais-nous un draw, Tom. Ici, elle est parfaite, ça, la regarde. Donc là, t'as fait ça, t'as fait balle pied droit, épaule à droite, tout ça. T'as le mec, un truc, ou pas? Il applique les conseils à la lettre. 8,8, 4,4. Ouais, 8,8, 4,4. Regarde, magnifique. Ça revient plein milieu. Ça, je suis très très fort. Celui des... Parce que là, il vient d'enchaîner des draws, il fade quand même. Et son frère, il se promène comme d'habitude, là, il fait hop. Il est insupportable quand il est comme ça. Allez, attends, t'as pris mon gant? Non. Ok, Touraine. D'accord, très bien. Oui, parce qu'il prend tous les gants de Tom, s'il oublie ses affaires. Il prend n'importe quel élément pour venir. Pour venir. Tout ce qu'il peut. Ok, fade. Et donc, attends, mais Luc, ça fait 6 mois qu'on t'a pas demandé de taper un seul fade. Hein. C'est vrai. Un peu plus pied gauche, la balle. Voilà, parfait. Bien, pas hésiter de marger sur l'emplacement de la balle. Ok. Là, il te balle très à gauche. Voilà, et là, tu swings dans le sens un peu de tes épaules. C'est ce qui s'est passé quand j'ai tué. C'est ça, quand j'ai failli tuer Messi. Donc ça veut dire que lui, fade, il a une tendance à faire des talons. Donc là, elle sort à gauche. Mais elle reste à gauche. Ok, mais elle reste à gauche. Si ça vous arrive, hop, elle est partie à gauche et limite elle tourne à gauche. Donc ça veut dire que le chemin il est de l'autre côté. Soit le chemin est pas assez à gauche, soit la face elle est trop à gauche. Là, dans le cas, on va dire, on pourra avoir une face plus ouverte quand même. Il a pris le grip du long driver à force. C'est pour ça que je rigole. Il n'arrive pas à le remettre. Mais ça, ah, celui-là, il est beau. Celui-là, il est parfait. C'est bon. Voilà, c'est ça qu'il faut. Tu sais faire un fade, Luc. Voilà. Désolé, Jean-François, j'aurais dû le faire avant.
Ouais, mais tu vois, t'as pas remis tout en cause. C'est ça le problème souvent, c'est que les gars, ils arrivent pas à faire le fade. Et là, ils vont tout changer dans le swing et tout. Et du coup, si t'arrives à bien analyser la trajectoire, te dire ok, elle a pas tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce ouverte au chemin? Est-ce que c'est la face? Est-ce que c'est le chemin? Et après, une fois qu'on a une seule donnée, c'est facile. On lève la gauche, hein. Ouais. Mais c'est génial quand même. Ouah, c'est propre ça. Hop, reprends le draw. Si là, t'arrives à sortir un draw juste après là. Ah, elle est pas mal, elle est un peu topée, mais ouais. Est-ce qu'elle revient? Oui, magnifique. Donc, chemin à droite, face un peu fermée par rapport au chemin, ça nous fait un superbe draw. Ça, bon, c'est bon. Ça, c'est bon. On a terminé, Laurent. Voilà. Juste le dernier conseil que j'ai à vous donner. Là, vous regardez en bas de votre vidéo, je pense qu'on est à 30 minutes ou quelque chose comme ça. On avait dit, les gars, on fait pas plus de 20 minutes parce qu'on veut essayer de faire des formats un peu plus courts. Vous avez dit qu'ils aimaient bien ça. C'est pas possible, alors, avec Laurent. On n'est que le début. C'est impossible. La suite, le prochain épisode, quand Luc l'aura monté dans 3 semaines. Mais bon, bah, donc, qu'est-ce que tu voulais dire encore? T'as 30 secondes. Tu as truc à dire, connard. 2. Donc, dernier truc. Si t'es un drawer maintenant comme Luc ou un fader comme Tom, ouais, il faut garder ça sur le parcours. Il faut garder son effet naturel pour le parcours. C'est-à-dire que si le matin en practice, tu fais Tom, il est sur le practice, il fait que des fades, il faut pas arriver sur le parcours et vouloir taper que des draws. Tu fais 90% de ton effet. Et si vraiment à un moment donné t'as besoin parce que t'es derrière un arbre ou parce qu'il y a un dog leg et t'as envie de le tenter, etc., là tu peux le tenter, mais pas toute la journée. Okay. C'est juste sur le parcours, jouer 90% de ton effet. C'est ce que tu m'as dit avant sur Dustin Johnson. Lui il tape des fades 98% du temps, quoi. Les 2% de draws qu'il tape, c'est pas fait exprès. Ça met en colère. Voilà. Pareil pour les draws, y a pas trop de, y a pas plus de joueurs qui jouent en draw qu'en fade. Bon, voilà. Comment t'évalues, t'es un drawer ou un fader? Bah, parce que si tu slices 10 balles au practice bien touché, on va dire, faut faire gaffe au contact. Ouais. Mais tu tapes 10 balles au practice bien touché et tu regardes, normalement tu auras toujours une tendance. Okay. Tout le monde. Donc si elle tourne à droite, voilà, c'est du fade, si elle tourne à gauche, c'est du draw. Donc aujourd'hui, il faut se débrouiller, tu vois, si tu vois au practice, ok, je fais un peu de fade. Est-ce qu'elle tourne trop ou est-ce qu'elle sort pas assez à gauche? Parce que le fade, on veut qu'elle sorte à gauche. Ben, il faut définir les deux. Et après, faire le petit truc avec la face de club qu'on a vu dans tout l'épisode là. Ou s'aligner plus à gauche, tout simplement, tu vois, des trucs comme ça. Des trucs le plus simple possible pour le parcours. Ok, eh ben ça paraît pas mal ça. Voilà. Les gars, encore une fois, j'ai couru tout le long, tous les trucs. J'avoue, il a parlé pas mal là. On le félicite, les amis. Il y a trois façons de le féliciter. La première, faut aller les suivre sur Instagram. On va même préparer un petit, tu vois. Mais regardez comment il crie mal. Vas-y, montre. Ah oui, les amis, le plan. Voilà, est-ce que quelqu'un arrive à déchiffrer? Donc, allez le suivre sur Instagram. Regardé, hein. Déjà, première des choses, très importante. Deuxième chose, likez cette vidéo. Commentez-la, dites-nous ce qui pourrait être intéressant de faire comme vidéo sur les prochains épisodes. J'ai créé une cagnotte litchi aussi. Et puis, quelque chose d'autre? Eh ben, la semaine prochaine. Ouais. Les likes. On l'a dit. Il faut liker. Merci. Quand je suis dedans, il faut plus de likes. Quand il n'y a que eux. C'est ça. Il veut que sur les vidéos où il apparaît, il y ait plus de likes. Donc faites-lui plaisir. Ça nous fait plaisir à nous aussi. Voilà, on espère que vous avez kiffé. Encore une fois, dites-le nous en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci encore au Camp for Off de nous avoir accueillis. Merci Laurent. Puis à la prochaine, les gars. Ciao. Ciao. Désolé, Lucas, je t'ai un peu chambré aujourd'hui. Ouais. Ah, hop là. Allez, ciao.